Alors, je me rappelle bien de vous, hein, on était venu vous voir chez Société Générale au moment où vous avez reçu Marie, et oui, je vous retrouve ici... Il y a quelques mois, je crois, oui. Exactement, et je vous retrouve ici donc pour les championnats du monde. Que faites-vous ici ? Écoutez, on est ici déjà pour apprécier un merveilleux spectacle, et puis en même temps, pour nous, Société Générale, c'est un peu une concrétisation, puisqu'on est là... On fête en même temps le 10 ans, les 10 années de notre partenariat avec la Fédération Handisport. Et là, vous êtes venus à plusieurs, hein, vous êtes venus nombreux. C'est important pour Société Générale de à la fois venir se rendre compte, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils découvraient le handisport. C'est important pour vous à la fois de les faire découvrir et de sensibiliser peut-être. Alors je pense qu'effectivement c'est important de bien montrer comment notre engagement s'inscrit dans la durée et peut s'inscrire également dans la réalité pour tous nos collaborateurs. Vous avez dû voir dans le village qu'on a un certain nombre de personnes, de clients qui sont venus et on aime beaucoup leur faire partager cette merveilleuse expérience, ce contact avec des athlètes de haut niveau, avec un engagement très fort. Pour moi c'est pas une découverte puisque j'ai eu la chance d'aller passer 3 jours à Londres aux Jeux Paralympiques en septembre dernier, mais j'avais vraiment été marqué par ce que j'avais vu à cette époque, vraiment des athlètes de très haut niveau, de très très haut niveau, avec des handicaps, mais qui sont avant tout des athlètes et qui expriment toute leur sportivité, tout leur sens d'équipe dans leur discipline préférée. Je crois aussi que vous avez profité un petit peu hein, de ces championnats du monde pour créer une incentive, pour créer un jeu, je crois. Oui, alors on a créé déjà pas mal de jeux autour du stand Société Générale avec les enfants. Et puis on a fait un tirage au sort hein, pour un certain nombre de personnes qui auront la chance, il y a je crois 8 gagnants, qui vont avoir la possibilité de participer à une épreuve de cuisine avec Greg, hein, ce qui est quand même celui que tout le monde connaît et très implanté dans ce monde de la cuisine. Effectivement, hein, Grégory Curon qui est aussi l'ambassadeur justement des championnats du monde. Exactement, exactement. Et donc c'était un lien permettant de joindre l'utile à l'agréable. Eh bien, merci. Merci beaucoup et bon championnat.